J'ai pas trop vu de publicité sur FXB. Vous avez, vous en faites pas? Ou à l'étranger, on essaye parce que c'est coûteux, alors on ne veut pas dépenser de l'argent à faire ça. C'est plus utile de servir. Et on essaie d'avoir des organisations de publicité pro bono qui travaillent pour nous. Je suis arrivée en Afrique en 90 et j'ai vu ces centaines d'enfants qui étaient orphelins. J'ai vu les grands-parents qui n'arrivaient absolument pas à subvenir à leurs besoins. Et je me suis assise dans le village avec l'interprète. J'ai dit, je suis complètement perdue ici parce que voilà ce que je fais ailleurs. Ce que je fais ailleurs, ça ne peut pas vous convenir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Une femme de la communauté qui un jour s'est levée dans la réunion et a dit « Mais moi, si c'était FXB me donner une vache, eh ben je pourrais nourrir les enfants mieux. Et puis je pourrais vendre le surplus au marché et avec cet argent, je pourrais payer l'école. » Je me suis dit « C'est génial, elle a raison. » J'ai pensé que si on crée une journée, eh bien ça attirerait l'attention sur les orphelins du sida et par là même sur la problématique des enfants largués. Il fallait demander aux maires de faire partie de ça, de se responsabiliser parce qu'ils sont des politiques locaux et parce qu'ils sont un pont vers leurs propres médias qui eux aussi répercutent sur l'opinion publique et ils sont un pont vers leur propre jeunesse car leur propre jeunesse doit aussi, surtout dans nos pays, devenir consciente de ça. Il y a aussi des choses spontanées qui se passent. Moi, je veux dire, la rencontre avec les Yamakasi est un très bel exemple. Parce que, bon, on a été mis ensemble, on a été mis en réseau, mais on s'est reconnus tout de suite. Je veux dire, moi, je suis tellement reconnaissante de l'aide et du soutien qu'ils nous apportent. Parce que pour moi, ils sont un exemple. Ils sont un exemple extraordinaire de jeunes qui aident des jeunes. Ils sont un exemple extraordinaire de valeurs tellement précieuses pour toute la jeunesse d'aujourd'hui. C'est non seulement la beauté de leur art, mais c'est en plus tout ce qu'ils apportent. Si une société n'a pas des jeunes qui expriment toutes ces valeurs et qui les mettent en pratique et qui les partagent avec les autres, c'est une société qui n'est pas vivante et qui n'ira pas loin. Je peux vous faire la bise? Oui, mais tu me dis-tu d'abord. Vous savez pourquoi? Parce que c'est bien que vous me rappelez un peu ce qu'on est. Des fois, on peut se perdre, mais au moins, on ne s'oublie pas. C'est gentil. Et je raconte l'histoire de l'étoile de mer, qui est une histoire qui avait été racontée par une femme africaine, américaine, dans New York, qui est une des villes les plus pauvres des États-Unis. Et au médecin pédiatre avec qui je travaillais, je sais, Albina, je crois que ça illustre aussi ce que tu fais. Et c'est l'histoire d'un homme qui descend sur une plage, une énorme, énorme plage avec des centaines, des milliers d'étoiles de mer qui sont en train de dessécher, de mourir sur la plage au soleil parce que la mer les a rejetées sur la plage. Et il voit une femme qui est là et qui prend étoile de mer par étoile de mer, qui les ramasse et qui les rejette soigneusement dans l'océan. Et il dit, mais enfin, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il y en a des milliers, voire des millions, la plage fait des kilomètres. Vous n'arriverez jamais à remettre toutes ces étoiles de mer dans l'eau et à les faire revivre. Et en prenant celle qu'elle a dans la main et qu'elle rejette dans les flots, elle dit, ça fait tout pour celle-ci. Et c'est vrai, oui, ça fait tout pour celle-ci. Celle qu'on rejette, c'est celle qui revit. Par vie, ça change l'existence. Voilà. Moi, juste ce que j'ai à dire, regardez, bisous. Ouais. Donc, venez la voir, elle fait des choses très très bien. Il y a une très très belle phrase je crois que c'est le Talmud, qui dit que sauver une personne, c'est sauver l'humanité. Et c'est très vrai.